étudier un peu les pays en avance, les pays en retard, et d'étudier un peu les nouveaux entrepreneurs dans le secteur. On fait aussi des études de cas. Par exemple, on veut étudier comme le success story de M-Pesa, okay, au Kenya, puis essayer de voir comment M-Pesa, le mobile wallet d'M-Pesa, pourrait être utile pour d'autres pays. Okay. On fait aussi de la recherche action sur des cas exceptionnels, tels que le crowdfunding, le financement participatif. On fait également du mentoring, c'est-à-dire que lorsqu'on a un WizKid, un étudiant qui est brillant en technologie, on l'accompagne dans le développement. Par exemple, actuellement, on a une équipe de jeunes dans le blockchain, okay? Donc un blockchain qui est très spécialisé, et c'est dans la cybersécurité, et on les accompagne dans leur projet, dans leur rêve. Donc, c'est un peu, on étudie même aussi la génération aussi milléniale, qui est ceux qui sont nés à partir de 1982 jusqu'à 2000, ces étudiants-là, qui deviennent, dans le fond, des consommateurs, ont des besoins bien différents de l'ancienne génération. Et puis, on étudie un peu toutes les applications liées au secteur des fintechs. Puis, l'origine du programme, c'était notre programme MBA à l'époque. L'équipe est internationale. On a, mettons, une équipe de base qui est stationnée à Lille, Berthe et moi-même, assistée de Amine Nash, qui est marocain, d'origine marocaine de Rabat, et Rachid Pial, qui lui est de Agadir. Et on a des WizKid blockchain. On a aussi Abigail, prof de finance, Farouzi Rassi, en équipe. Et puis on a deux profs ici du campus, okay, qui se font partie de l'équipe. On a des jeunes du Mouvement des Jardins, qui est un groupe financier. Des jeunes de VMware, ça c'est à Silicon Valley. Des gens en cours de Sector Assurance. Des gens à Lima, en France, Luxembourg. Donc c'est une équipe internationale et avec des éclairants de terrain. Et puis je pense que le prochain membre de l'équipe, je pense qu'on va inviter Abel. Ça fait partie de l'équipe parce qu'on a une faiblesse dans la finance islamique. On va enrichir notre équipe. Maintenant, on va définir un peu la définition fintech. Une sorte de définition, la norme. Azure Assist SL, dans le fond, c'est système de services financiers complexe. Okay? Plus que compliqué, c'est complexe. Okay? Puis venant la symbiose, okay, des plateformes numériques en ligne, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle qui est connectée avec des objets, et l'algorithme. Puis ça, c'est en rupture avec les services financiers traditionnels. Donc, c'est des applications qui vont des fois compléter ou raffiner ou rendre plus efficients les services financiers actuels. Maintenant, les niches sont diverses, il y a différents auteurs là-dedans. Il y en a qui vont dire 12 niches, 10 niches. Nous, on retient à peu près 6 niches. Okay? Donc, vous avez l'industrie du paiement qui est reliée surtout aux mobile wallets. Okay? Le boom aux États-Unis actuellement, c'est l'insurtech. Donc, c'est le phénomène, dans le fond, des robots conseillers assurance qui remplacent l'agent d'assurance. L'industrie de billard, l'industrie de billard aux États-Unis. L'industrie d'épargne et prêt, qui est le crowdlending, okay, entre autres, et des banques, une nouvelle banque virtuelle. Le financement, c'est le crowdfunding, okay. Gestion de patrimoine de robots conseillers qui gèrent le patrimoine et les portefeuilles. Après ça, vous avez toute l'industrie de soutien fintech, où c'est toutes sortes d'applications pour le système, cybersécurité, blockchain, gérer en fonction de la régulation, parce que les lois changent selon les pays et les régions, donc il faut avoir des logiciels pour ça. Puis le tout, dans le fond, il y a comme l'objet qui s'en vient là-dedans, puis la sécurité, ça va être le monde du blockchain qui s'en vient. Actuellement, il s'est investi cette année plus d'un milliard de dollars dans le blockchain, c'est la cybersécurité. Dans le fond, c'est le Bitcoin, ok? La technologie sous le Bitcoin va devenir, dans le fond, la technologie pour tous les contrats intelligents dans le futur. Maintenant, l'état des lieux, ça c'est des données, vous en pensez. Il y a des régions qui n'ont aucune donnée. Okay?
Mais on sait que au niveau des financements de venture, de financement d'entreprise, des start-up fintech, il y en a peut-être 12 000 start-up fintech depuis 5-6 ans. Il y a à peu près 1 milliard au Canada, okay, US. 30 milliards US. La Grande-Bretagne est en avance aussi avec 5 milliards. L'Eurozone, avec les 28 pays, ont seulement mis 4 milliards d'investissements. Donc il y a un grand retard dans l'Eurozone. Au niveau de l'Africain, tout est à faire. Okay? Donc, j'avais ça aussi en deux. Okay? Israël est en avance par rapport à tous les pays émergents. Et le leader, malgré les données qu'on donne, le leader mondial, c'est la Chine. Okay? Et l'Inde est le plus avancé dans ce qui touche le mauvais droit. Okay? Donc, on voit que c'est un secteur en effervescence, plein potentiel, et où on n'a pas de données. On n'a pas de données pour l'Amérique du Sud et pas de données pour l'Afrique. Parce qu'il se passe peut-être moins de choses, mais c'est inévitable, la tendance est là. Maintenant, au Canada, il y a des lieux, en 2015, ça bouillonnait, et la ville vedette était Toronto, okay? Suivi de Vancouver. Les autres commencent, mais les données de l'an passé montrent que Vancouver, avec 600 000 habitants, ils ont 40 startups fintech en 2016. Okay? Donc ça bouge plus à Vancouver qu'ailleurs. Donc, on peut dire que Vancouver est devenu un hub fintech. On peut dire hub fintech malgré la grosseur. Seulement avec 600 000 habitants, ils sont devenus hub fintech. Dans le fond, un centre nerveux, une technopole fintech au Canada. C'est Vancouver. Toronto, c'est une grosse ville, c'est une grosse région. C'est normal, mais Vancouver, c'est spécial. Maintenant, les vedettes, c'est la Chine. Okay, la fintech la plus beau, la plus chère, c'est 65 000. Oups, retour. C'est Ant, OK? Ant Financial, qui vaut 65 milliards. Eux sont dans tous les secteurs d'activité. Okay? Ils sont dans le fonds, dans le prêt, OK? Ils sont dans l'investissement, ils sont dans le mobile wallet, ils sont partout. Okay? Mais et puis, il y a beaucoup de choses à apprendre de leur modèle d'affaires. Et puis, il y a d'autres. Eux ont 9 niches, okay, à peu près, d'intervention en Chine. Et donc, puis les vedettes sont Tencent, Ant Financial et Baidu. Okay? Donc, ils sont partout, vous pouvez dire. Entremetteurs d'argent, okay? Marché de l'argent, mobile wallet, okay? L'assurance qui n'est pas la vie, mais des objets, les prêts, PMP lending, digital banking, l'assurance vie et le financement social ou l'emploi social. Donc, ils sont partout. Et puis peut-être on a des choses à apprendre des Chinois. Maintenant, le pays avec l'intervention de l'argent, c'est Israël, qui ont décidé, il y a une volonté de l'État, de virer Israël fintech. Okay? Donc, ils sont très avancés. Pour la grandeur du pays, ils ont beaucoup d'entreprises fintech. Maintenant, il se passe des choses aussi en Afrique. Et puis, c'est bizarre, la région, depuis des années, quasiment, c'est le Kenya. Qui, dans le fond, avec l'avènement, depuis 2007, eux autres, ils ont les portefeuilles, les porte-monnaies mobiles, okay? qui est devenu, dans le fond, eux, leur Wi-Fi. Okay? Le Wi-Fi, comme ça, c'est leur compte de banque. Okay? Ils ne font pas faire avec la banque, ils font faire avec le fond. Tout l'argent passe par leur cellulaire. C'est pour ça que un de nos postulats du FinTech Lab, on dit que, dans le fond, on parle pas de nouvelle structure, que ça vient de la technologie. Mais je pense qu'au niveau de l'Afrique, ce n'est pas de la technologie que ça vient, la technologie existe. Mais dans le fond, là, c'est les exclus bancaires qui vont faire des pressions, okay, pour changer les choses. Okay? C'est l'inclusion financière. Okay? Ne passe pas par les banques, mais bien par les télécoms fintech. Actuellement, en Afrique, ce n'est pas les banques, mais bien les télécoms qui sont devenus des banques, okay, puis qui favorisent un peu l'inclusion financière. Donc, les banques sont appelées à réfléchir un peu ce qui se passe au Kenya, qui, dans le fond, est un modèle un peu au niveau de fintech, de vraiment fintech. Maintenant, au niveau du. On cherche ça des océans bleus, c'est-à-dire un endroit où il y a des milliards à faire. Où il y a occasion d'affaires parce qu'il y a un marché, mais il n'y a pas de joueurs, il y a absence de joueurs. Donc ici, là, la vedette, c'est Payfort, c'est fort, okay? Mais ils ont changé, ils sont seuls. Il n'y a quasiment pas
de fintech ici. Donc, on fait ça, on dit que lorsqu'on étudie l'entrepreneurship, on dit qu'il faut en deux ces secteurs-là. Okay? Maintenant, à la fin, je vais revenir là-dessus sur votre continent, que c'est encore mieux que ça au niveau de l'Océanie. Maintenant, ce qui est important à comprendre, parce que notre champ de recherche, c'est l'entrepreneuriat. Okay? Il faut rentrer dans le cerveau de ces les nouveaux champions fintech. Comment ça fonctionne? C'est des jeunes entre 20 et 30 ans qui démarrent, okay? Qui sont un peu révolutionnaires, qui font les choses différemment. Okay? Et puis, du jour au lendemain, ils font fortune. Ça vient évidemment surtout de la Silicon Valley. Et puis, par contre, le concept date quand même d'un type D.A., okay, qui était le ex-PDG de Visa International. Il dit que la fintech, la façon que ça se développe, parce que dans le fond, on peut dire que Visa, c'était un des premiers fintech. Okay? Donc, il dit dans le fond qu'actuellement, il y a de l'ordre. Okay? Mais la pensée fintech, dans le fond, c'est quasiment un mariage entre le désordre et l'ordre. Okay? Et à ce moment-là, D.A. a inventé le mot chaos. Okay? Il dit que le futur, dans le fond, ce sont des organisations chaotiques qui, dans le fond, réussissent à trouver des solutions au désordre. Un peu de la fintech. Parce que le mot n'existait pas à l'époque. Okay? Mais il expliquait un peu. Il arrive. Ce qui s'en vient, ce qui s'en vient, c'est une économie fintech, un peu comme Visa. Okay? Maintenant, là, ici, c'est pour suivre le fait de doctorat. On a développé un modèle qui, là, c'est un peu plus théorique. Ça fait universitaire. Mais nous, on a conçu ça à partir de nos observations. Il y a trois axes. Okay? Donc, vous avez l'axe Y ici, que c'est, on part de certitude technologique jusqu'à l'incertitude technologique. Okay? Est-ce que la technologie existe? Oui, ici. Ici, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Et de l'autre côté, le marché. C'est certain. Ici, c'est incertain. Okay? Puis, il y a un autre axe. Ici, en diagonale, le Z, c'est régulation, régime, contrôle, et souvent archaïsme. De contrôle. Les pays où ils sont plus avancés au niveau fintech, c'est lorsqu'il y a moins de contrôle des régulations. Okay? Trop de régulation, ça tue la fintech. Et donc, on étudie un peu le phénomène, puis essayer de classifier. On a réussi à classifier les organisations. Et puis, dans l'ordre, ce sont les banques classiques. Okay? Les banques classiques et les compagnies d'assurance classiques. Okay? Qui sont dans l'ordre, qui suivent les règles. Il y a les règles, les contrôles, mais avec des méthodes qui sont archaïques. Et généralement avec de vieilles technologies. De l'autre côté, on ne sait pas. La technologie, on n'est pas sûr. Il faut l'inventer. Et le marché est incertain. Donc ça, les banques ou les institutions financières classiques n'osent pas s'aventurer là. Okay? Donc c'est un monde un peu de désordre. Okay? Et dans le fond, les WizKids et puis les fintech, eux autres, ils gravitent autour, okay, de ce secteur-là. Donc, ils sont un peu en dehors de la régulation. Ils sont des zones un peu, des no man's land, comme on dit. C'est complexe, mais avec créativité et innovation, ils arrivent à des solutions nouvelles. Et ça favorise l'entrepreneurship à l'intérieur de notre nation ou des startups. Puis là, on ne sait pas. Ce qui s'en vient, ça va être des robots intelligents. Robots conseillers intelligents avec le deep learning, okay? Le machine learning, le learning, okay? Qui vont remplacer l'humain. Le robot conseiller va être meilleur que le conseiller en placement. Donc, il va être plus efficace et efficient qu'une banque. Et de l'autre côté, la nouvelle génération nord-américaine, surtout, on parle de la nôtre, ils sont très exigeants. Eux autres, c'est des gens gâtés. Et le Wi-Fi est le prolongement de leur cerveau. Et le Wi-Fi, c'est l'outil de travail. Et ils ne veulent rien savoir des banques. Okay? Eux autres, le béton, les briques, eux autres, c'est tout est virtuel. Okay? Donc, c'est eux qui vont amener, qui forcent un peu le. Okay? Donc, ça, c'est important de comprendre un peu le phénomène. Est-ce que c'est clair? C'est simple, mais complexe en même temps. Hein? Bon. Puis, les nouveaux milliardaires, c'est ici. Okay? Aux États-Unis, là, c'est dans ce bout ici que les 12 000 fintechs se trouvent ici. Uber aussi, dans d'autres secteurs, Uber et Airbnb, eux aussi, là, ils sont ici. Là.
c'est pas tout à fait, c'est Uber et puis Airbnb, un peu, ont de la misère avec la régulation. Hein? Donc, les fintechs aussi ont de la misère. La régulation s'ajuste aux fintechs. Mais si la régulation est trop sévère, il n'y a pas de développement et l'argent va ailleurs. C'est que s'il n'y a pas de développement dans le pays, c'est que l'argent se déplace. Actuellement, l'argent est tout en Grande-Bretagne seulement parce qu'ils sont le plus avancé en fintech. Okay? La France a beau dire qu'on va devenir la capitale financière, non. Même après le Brexit, Londres va rester la capitale financière parce qu'ils sont le plus avancés au monde au niveau de la fintech. Donc, c'est la zone chaotique, c'est là-dessus les jeunes, vous devez travailler. Okay? Donc, si vous voulez le démarquer, parce que si vous voulez le démarquer, c'est travailler dans la zone chaotique, comme on dit. Okay? Maintenant, à la fin de l'exposé, je vais identifier des créneaux pour vous autres. Maintenant, on rentre dans le cerveau, okay, du whisky. Okay? Donc, lui, dans le fond, là, de toute façon, il dit c'est quoi la communauté? Donc, les millions de gens, qu'ils veulent. Okay? Comment ils le veulent? Comment je peux être efficient? C'est-à-dire ça, efficient, là, c'est que répondre en temps réel à la seconde près. Okay? Comme moi, mon compte de banque classique, je veux transférer de l'argent d'un compte à l'autre banque, deux banques compétitives, ça prend 5 jours. Okay? Avec la fintech, c'est 1 seconde. T'sais? Donc, le temps, c'est de l'argent. Okay? Après ça, il faut trouver une formule, évidemment, c'est une fintech, trouver un profit. Okay? Mais le profit, si ta communauté est 1 million de personnes, 10 dirhams par personne, ça fait beaucoup de dirhams. Il faut penser communauté. Communauté, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Donc, choisir une technologie numérique intelligente et l'intégrer à l'intérieur d'une niche des services traditionnels financiers. 2. Mesurer la valeur obtenue par le prix du client. Si ça n'a pas de valeur, vous changez de niche. Non, il faut bien de valeur, OK? Actuellement, c'est ça qu'on cherche dans le blockchain, il faut trouver la valeur, OK, du blockchain. Identifier sa grande marché. Puis l'avantage qu'on a, c'est que les banques font partout, puis l'assurance. Ils ne vont vendre qu'une petite niche, OK? Mais une petite niche, c'est à travers le monde, à travers une région, qu'on fait une flux de revenus. Établir surtout le coût immobilier, c'est-à-dire faire une analyse du prix de revient. Et récupérer une partie de la valeur, pas trop gourmand, parce qu'il faut, dans le fond, parce qu'on fait compétition quand même avec les banques, les commis d'assurance. Puis, il y a des vecteurs de base qui réinventent les règles, OK? C'est ces 4 vecteurs-là. Machine learning, deep learning, génération minérique, numérique et algorithme, OK? Et puis, l'internet. Spécialisé que Bert, dans le contexte nord-américain, je trouve que le contexte nord-américain n'est pas différent. Les services financiers, une façon de rupture ne reviendra pas de la technologie, mais bien des exigences de génération millénaire. Ce sont les jeunes qui vont mettre la pression. Ceux qui vont voyager, les Nord-américains qui vont en Californie, qui viennent au Canada, qui vont en Afrique du Sud, vont dire oh, pourquoi nous? Pourquoi nous autres, on n'a pas les mêmes services? Donc, il va arriver à un moment donné, la pression va être tellement forte que les lois vont changer. Ça, c'est une étude aux États-Unis. C'est contexte américain. Et souvent, ça, les tendances, ça suit. Puis c'est contexte nord-américain, mais on va le faire, nous autres, pour le Canada, le Québec. Si on obtient le budget de recherche, on a pas encore le même budget. Mais ils disent que c'est la disruption aux États-Unis, ce sont les millénials, cette jeune génération-là, okay? Qui, dans le fond, préfèrent, je ne sais pas si c'est l'enquête, ils préfèrent aller au dentiste plutôt que faire affaire à une banque. Okay? Après ça, ils n'ont pas aucune loyauté envers les banques. Et puis, ils ont étudié un peu la disruption aux États-Unis, et puis, ils ont trouvé certaines activités, et puis, c'est dans les banques qu'il va y avoir plus de disruption. Okay? Donc, dans les données qu'on a, entre autres, c'est 73% des millénials sont excités par l'idée que Google, Amazon, Facebook, Apple, PayPal et Square se préparent à offrir des services financiers. Donc, il faut absolument que les banques s'ajustent, sinon ils vont tout perdre les clients. Parce qu'eux s'en viennent quasiment. Il faut que l'industrie s'ajuste. Bon, là, on va rentrer dans le fintech là. Là, vous allez avoir des formations qui sont
n'êtes pas nécessairement sorti de la formation privilégiée parce que vous avez des membres ici qui font partie du Québec. Toutes sortes de données peuvent être recherchées, projections, tendances, indices, alertes, signaux, c'est le moins possible. Les données qu'on a ramassées ici et là, 50% des cadres supérieurs ne sont pas préparés à faire face à la FinTech, d'après l'économiste. L'étude journal, ça c'est européen, 250 000 emplois européens disparaîtront d'assurance. Pricewaterhouse, 20% des services financiers traditionnels disparaîtront. Après ça, l'économiste, les prévenants, 2 millions d'emplois disparus d'ici 10 ans. Si les banques, 30% du personnel des assurances vont disparaître d'ici 10 ans, les banques seront virtuelles et invisibles. Okay. 9 premiers mois 2016, l'investissement de 1,4 milliard dans le blockchain. Donc, il se passe des choses. Les bébés fintech. Okay. Les bébés fintech, au début, je me rappelle, je donnais un cours à MBA, puis c'était un des directeurs de la Banque Royale. J'avais dit, attention, là, les banques, les fintechs s'en viennent. Ça en vient de l'attention. Il y avait ri du coup, il y avait ri de moi en pleine classe. Il a dit, ha! Ça, c'est une. Il dit, comment il dit ça? Il dit, c'est une bulle, ça va éclater. Je l'ai vu lors de la collation des grades. Il me signe la main, il dit, monsieur, d'accord, je suis là-dedans, 6 jours semaine. Il dit, dans le temps de la fintech, il dit, c'est un mauvais. C'est quasiment un mauvais sort. Puis, il dit, c'est comme un mauvais sort, mauvais donné. Il dit, je suis pris là-dedans, il ne croyait pas. Puis, donc, bébé fintech, je vais mettre un peu de son, je sais pas si ça va marcher, mon son. Un petit effet spécial. L'effet spécial, c'est que pour réveiller ceux qui s'endorment, ça c'est évidemment Mérisou, mais ici ça ne peut pas. Alors, tout le monde est réveillé. Bon, il y a un poète, je pense qu'il est Côte d'Ivoire, Mépriser son adversaire, même petit et frêle, est toujours une faute stratégique de combat. Ok? Donc, faites attention les banques, faites attention les assureurs, là, faites attention à ce qui s'en vient. Okay? Il faut les prendre au sérieux. Bon, voici un peu pourri des 12 000 startups fintech. Entre autres, il y a des jeunes entre 20 et 30 ans qui sont milliardaires aux États-Unis. Il y a 40 unicorns. Les unicorns, c'est des entreprises qui valent un milliard, okay? Aux États-Unis. 46 unicorns et puis 37 semi-unicorns en 500 et 800 millions, valeur de 121 milliards de dollars okay, en valeur. Dans tout ça, le secteur, des jeunes qui ont démarré des plateformes numériques, okay, qui font compétition banque, okay, dans le prêt, le paiement, l'immobilier, l'assurance, l'investissement, la comptabilité, okay, et le bitcoin, le blockchain. Okay, donc, tout ça, c'est une activité. Donc, c'est sérieux. T'sais. Quand tu dis que, regardez, benchmarking au Canada, la banque laurentienne, fondée en 1846, ne vaut que 1,4 milliard. Okay? Ça, c'est les dinosaures, quelquefois, canadiens. Eux autres, ça fait, quand vous regardez le nombre d'années que ça existe, puis la valeur d'entreprise. Il y a des jeunes fous, un peu délinquants, eux, ont dépassé okay, la banque laurentienne en 4-5 ans. Okay? Donc, tout est possible. Deux exemples, la marque des bébés robots. Donc, les robots advisors, c'est le gestion de patrimoine et portefeuilles, créé en 2009, 200 000 clients. Puis, il y a Active 6.5 000, création en 2014, ça fait pas longtemps, ça c'est il y a 3 ans. 20 000 clients, Active 750 millions de dollars US, 20 employés, 20 jeunes. Une banque, ça vaut 100 employés pour la même chose. Maintenant, gestion du risque, je tombe dans le territoire avec. OK? Gestion du risque. Aux États-Unis, actuellement, il y a des milliers de compagnies d'assurance okay, dans des plateformes numériques, fintech. Okay? Et c'est un mix. Là-dedans, tu as des drones, okay? Tu as dans le fond des données, okay? Tu as des capteurs qui sont installés partout, dans les maisons, les terrains, dans le ciel, etc. Les bracelets. Et dans le fond, on a des données sur. Pour payer moins cher l'assurance, évidemment, on peut dire la prime va être peut-être 50% moins chère si la prime d'assurance a des données sur vous. Donc, sur si vous n'avez pas fait trop de vols, okay, si votre territoire, dans le fond, vous restez une région où il y a beaucoup d'infractions ou pas,
maison intelligente avec caméra de sécurité, votre auto, l'année, l'historique, l'étiquette de vitesse, votre ton physique, fumeur à 50 ans, si vous résidez dans une décafé, ça c'est une maison qui peut passer au feu, votre style de vie, l'âge, votre stabilité, tout ça est cumulé dans les données, OK? Puis c'est analysé par des algorithmes et interprété, et ça vous donne un peu, on peut charger une prime d'assurance deux fois moins chère que les premières assurances traditionnelles. Okay? Le modèle classique en Amérique du Nord, c'est le bracelet Fitbit qui donne un peu votre état de santé à votre première assurance. Puis si vous êtes en santé, vous payez deux fois moins cher l'assurance, okay, que celui qui n'est pas en santé. Maintenant, un exemple, okay? Le tsunami des jeunes pousses sur une surtech, une dizaine de niches, okay? Toutes sortes de niches assurances, inscrites de milliards. Okay? Et puis, mais ils ne sont pas fous, les jeunes. Vu que la régulation est tellement sévère là-dedans, ils font des alliances. Okay? Ils développent une plateforme numérique, mais en arrière, ils sont supportés par les majeurs. Okay? Les majeurs n'ont rien à perdre de supporter les jeunes avec des plateformes numériques. Donc, finalement, ce sont des jeunes qui ont des alliances avec les majeurs traditionnels, mais ils sont autonomes. Okay? Ils sont supportés par les majeurs, mais en dessous pour être en règle avec la loi. Donc, c'est 12 secteurs, et puis des centaines de secteurs, puis c'est l'intéressance des jeunes en 20 et 30 ans. Okay? Ils sont autonomes, et puis ils font une fois la leçon, ils font la leçon aux traditionnels. Après ça, intervention en route. Dans l'assurance, okay, la profession d'agent d'assurance va être modifiée. Donc, c'est pour cette assurance, toutes sortes de métiers reliés à l'assurance, okay, les représentants, peut-être en disparition. La seule voie de ne pas disparaître, c'est qu'il okay, parce que s'il y a des interventions et des intermédiations. Maintenant aussi, il y a peut-être un dième d'éthique là-dedans. Ce qui s'en vient, c'est la gamification. C'est qu'on, dans chaque application numérique, on arrive un peu des mécanismes de jeu à la fintech. Okay? Soit les robo-advisors, InsurTech ou Mobile Wallet, vu que les jeunes sont prédisposés à des jeux qu'on peut faire, donc il y a un système aussi d'encouragement, de points, de bonus, même il y a des tirages de voyage, okay, pour attirer la clientèle Wi-Fi. Puis, les millennials adorent ça, ces jeux dormir. Donc, il y arrive, puis par exemple, votre placement, votre gestion de votre portefeuille, bien, c'est un jeu. Il y a du pointage, puis on fait du benchmarking avec la génération millénaire, donc on en met 6 %, okay? Tandis que l'autre, c'est 7 %. Pourquoi, etc. On va donner des conseils. Maintenant, un autre mode, aux États-Unis, ça marche beaucoup. Ici, c'est illégal encore, là. Mais ça va, c'est inévitable, un jour, ils vont ouvrir la loi. C'est que dans le fond, c'est une plateforme numérique où il y a des. Ceux qui ont besoin d'argent, OK, vont sur la plateforme et négocient avec la plateforme les taux, qui sont. Certains taux, ça va dépendre du risque, etc. Ça peut être 6 à 10 avec la communauté de prêteurs. Okay? Puis généralement, c'est en support derrière, c'est les banques classiques qui sont là, derrière, pour supporter. Et les vedettes aux États-Unis, c'est Lending Club et Prosper. Prosper, dans le fond, 5 milliards en prêt actuellement. Okay? Donc, c'est des modèles qui sont universels, ces modèles-là, mais c'est encore illégal au Canada et illégal ici. Okay? Mais ça s'en vient. Surtout quand dans le microfinancement, pour les biens au développement, ça fonctionne très bien. Mais c'est que le problème, les traditionnels vont tout faire pour empêcher le développement de ceci. Par contre, moi, je verrais ça dans la finance islamique. Il y aurait moyen de transformer ce modèle-là. Puis ça serait intéressant. On pourrait étudier les trous dans le web, voir s'il n'y a pas des trous dans le web. Donc, financement participatif, crowdfunding, bon, ça marche beaucoup à travers le monde. Sauf qu'ici, encore, c'est illégal. Mais ça va devenir un jour ça, les pressions des communautés isolées. Okay, là, parce qu'on sait que les banques sont dans les villes, mais dans les villages, c'est absent. Donc, les plateformes numériques pourraient être dans tous les villages, okay, où, dans le fond, quelqu'un a un projet, okay, je vais vous présenter votre projet à la plateforme. La plateforme, elle envoie le projet à la communauté. Quand le projet est porteur, intéressant, okay, ben les gens supportent le projet. Et ça fonctionne. Okay? La communauté, elle, va embarquer. Et puis, si le projet est sérieux,
pas sérieux, bien là, les fonds sont retournés au donateur. Et puis, il y a un processus, dans le fond, de mise en œuvre. Puis, lorsque le donateur est terminé, il y a une contrepartie qui est donnée aux investisseurs. Okay? Souvent, c'est un cadeau, c'est un billet gratuit, pour le, etc. Parce que ça fait beaucoup le secteur aussi de la bienfaisance et l'anthropologie sociale. Maintenant, la vedette, c'est qu'est-ce que ça veut aux États-Unis? 12 millions de personnes investissent 3 milliards dans 120 000 projets. Okay? Donc, c'est un but lucratif. Qu'est-ce que c'est un but lucratif? Et il y a eu 120 000 projets qui ont eu accès à 3 milliards de dollars. Okay? Puis les banques ne sont pas intéressées. C'est des petits projets, les banques ne sont pas là. Nous, on étudie, on accompagne, on a accompagné pendant 2 ans de temps la ruche, okay, qui est un crowdfunding au Québec. Bon, on a étudié ce type de recherche-action. Et puis ça a commencé à Québec, okay, ici, là, sur notre territoire, okay, la ruche ici. Et puis, là, c'est en 2015. Ça a commencé en 2013, mais on a étudié en 2015. On a vu que ça commençait à être un succès. Et c'était un effet boule de neige. Ça avait tellement besoin qu'actuellement, on peut dire que c'est un effet papillon. Actuellement, l'opération, il y en a maintenant 4. Okay? Limoilou, Montréal, Barcelone, Mauricie, en développement, Gaspésie, Estrie, Outaouais. Okay, donc, la communauté embarque là-dedans, puis ça ne fait pas compétition aux banques. Les banques ne sont pas intéressées aux petits projets. Okay? Les projets, c'est intéressant dans le plan funding parce que c'est des événements culturels, puis événements en général, entrepreneuriat, secteur communautaire, le sport, l'environnement, art, culture, architecture, mode design, technique d'innovation. En général, c'est moitié-moitié, but lucratif, non lucratif. Okay? Donc, ça peut être même religieux. Tous les projets sont acceptables. C'est la communauté qui décide si on donne ou donne pas. Okay? Les résultats sont exceptionnels. Donc, au 1er mars, 259 projets lancés, taux de réussite 59%, 209 à Québec, Montréal, ça commence. Montréal, Barcelone, ça commence. Okay? Mais on a récolté, dans le fond, 1,5 million de dollars canadiens, donc 12 000 contributeurs. Et puis, ça donne à peu près 75 000 dirhams par projet. Les projets, ça peut être dans le fond du bénévolat, ça peut être une pièce de théâtre, okay? Ça peut être de la nourriture bio, ça peut être n'importe quel projet. Gros succès. Maintenant, au Canada, maintenant, vous pouvez créer une banque virtuelle. Okay? Ça, c'est le cas d'une banque en 18 mois, créer une banque. Okay? Où, dans le fond, elle a été ouverte en janvier 2016. Puis déjà, il y a 25 000 clients, seulement 27 employés. Déjà, tout déjà. Il n'y a pas de vieux là-dedans. Les vieux croyaient pas l'histoire. Et puis, dépôt actuellement sur les. Maintenant, l'industrie du paiement, là, il y a des choses à faire ici. Okay, ça commence. Donc, il faut étudier un peu là, ce qui s'est passé. Ça a débuté par un peu la bourgeoisie, avec Darius Love, et puis American Express, Visa, Mastercard, graduellement. Accordé au Québec. Avec la vedette au monde, c'est Citrus Pay, avec, je pense, c'est 800 millions de clients. Citrus Pay. Resto Go, c'est nos étudiants qui ont démarré une application dans un restaurant en Irlande. Et puis, ça va tellement bien qu'il veut créer une succursale en Irlande. Et puis, ce qui s'en vient, dans le fond, c'est Android Pay. Puis, en 2007, tout va se faire sur votre bracelet. Donc, il se passe des choses dans le paiement. Puis là-dessus, la nouvelle loi des bancaires va vous permettre, les Marocains, d'embarquer là-dedans aussi. Donc, par exemple, dans le porte-monnaie numérique, qui va être les plus avancés au monde, c'est l'Inde. Okay? Et puis, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les banques. Les banques sont en retard. C'est les start-up et les télécoms. Okay? M-Pesa, la meilleure pratique au monde sur la MIT. Comme si vous alliez étudier un modèle d'affaires et appliquer ici, je pense que ce serait peut-être le modèle M-Pesa avec une télécom. Par contre, les startups, les deux startups, M-Pesa, c'est à peu près sur 15% de croissance, 2007, 10 millions de transactions par jour, 25 millions de clients, okay, 10 pays. Mais la star, c'est startup, c'est les jeunes, donc on a démarré ça, 800 millions de clients, créé en 2010. T'sais. Donc, oui. L'économiste étudie, a fait un SWOT, donc analyse un peu les forces et faiblesses des banques. Et puis, c'est intéressant. Donc, les points forts des banques versus les points faibles des fintechs. Et puis là,
Puis c'était vraiment les antipodes, okay, dans les résultats. Donc, c'est-à-dire que la clientèle est établie chez les banques, ils n'ont pas de clients, il faut qu'on soit clientèle chez les fintechs. Okay, en bas ici, force des banques en rouge, faiblesse et fintech en gris. Okay? Donc, réputation, confiance, habilité, les banques. Il n'y a pas de confiance, pas de clientèle. Okay? Ils ont peur un peu des fintechs. Expérience en matière de régulation, les banques l'ont. Aucune expérience en régulation, les fintechs. Okay? Offre de produits bancaires complets. Les fintechs, c'est des produits limités, un créneau. Accès à des fonds en abondance, les banques ont des milliards, tandis que les fintechs, il faut faire appel à un capital de risque, okay? Ou les anges, les angels. Et gestion du risque est très efficiente, parce que les autres n'ont pas d'expérience dans la gestion du risque. Donc, dans le fond, là, on voit un peu la force des banques. Par contre, les points forts des fintechs, eux, ça fait la peau de vue qu'ils n'ont pas de système de logiciel préexistant, ils développent des systèmes à l'heure de 2016-2017. Les banques sont prises avec des technologies qui datent de 20 ans. Okay? Ils ont des systèmes de logiciels préexistants, puis c'est le gros boulet des banques. Okay? Changer de système informatique, des fois, c'est des millions. Ça peut être des dizaines de millions. Ça peut être des centaines de millions, okay, chez les banques. Donc, ils n'ont pas ce barrière-là. Les jeunes fintechs sont capables d'innover. Les banques, eux autres, qui ont peu de vision stratégique précise, peu innovantes. Plus de pression. Les fintechs ont plus de pression de la régulation. Okay? Ils se faufilent là-dedans. Les banques sont très surveillées. Aptitude à gérer rapidement sur le marché. Les fintechs sont très technologiques. Après ça, comme c'est, les WizKids, eux autres, prennent les produits existants, ils sont capables de les améliorer. Okay? Et puis, dans les banques, les sont traditionnelles, ils ont une résistance. Les gardes ont une résistance à transformer les produits existants. Donc, on voit un peu que c'est un peu contradictoire, mais je pense que une solution n'est pas compliquée. C'est quoi ça veut dire, ça? Les banques vont absorber les fintechs. Non, c'est quoi ça? Ça pourrait être ça. C'est que dans le fond, c'est des fois, le gros a besoin du petit. OK? C'est que. Il y avait un petit oiseau là, qui fait ménage, la bouche du crocodile. Quand la banque mange la fintech, on fait beaucoup d'argent. Fintech fait beaucoup d'argent sur le projet. Mais ça pourrait être ça, ça pourrait être double santé. Il faudrait comprendre que le système bancaire, il faut parler que les banques, il faut qu'ils réfléchissent à ce que les jeunes, OK, WizKids, sont capables de mettre des applications. OK? Bon. C'est en train de se passer actuellement en Amérique du Nord. C'est très intéressant parce que l'an passé, il y avait beaucoup de résistance. Et maintenant, là, c'est ouvert. La Banque de Montréal travaille avec Saint-Sylvain, Lending Club avec Banque Nationale, banque, ça, c'est des grosses banques. Hein, c'est des grosses banques. TD Bank, Movement, Scotia Bank, Cabbage, OK? Bank of America, Wealthfront. Après ça, Bonwell avec CBC. C'est toutes des grosses banques. OK? Ils travaillent des milliards. Puis il faut faire des petites mouches. Hein. TV, 5-bit, OK? Connexus, c'est un peu comme Desjardins, avec Group, la Banque Royale avec Saint-Sébille, OK? Scotia avec Deep Learning. Okay? Donc, il y a un mariage de raison. Parce qu'ils savent qu'il faut être en compétition avec les banques américaines, avec la Chine, avec la Grande-Bretagne. Sinon, l'argent va ailleurs. L'argent circule. L'argent, ça n'a pas de frontières, OK? Ça se promène à travers Internet. Ah! Là, j'arrive sur un terrain, là, c'est miné. C'est parce que moi, là, j'ai fait de la prospective. Okay? J'ai rêvé pour vous autres. Je rêve pour vous autres. C'est sûr que je suis interrogé. J'adore le Maroc, mais j'ai rêvé. On va rêver ensemble. C'est pas fini, c'est un work in progress. Ça se peut que mon exposé de demain soit différent. Je reçois de l'information un peu partout, le samedi. Donc, il y a une bonne loi bancaire. Ça a l'air qu'il il faut lire entre les lignes la loi. Okay? Il y a une loi là, qui a été faite plus pour la finance islamique. Mais si vous lisez entre les lignes, ça ouvre la porte au fintech. Ça se peut que vous ayez des problèmes avec les régulations, mais avec un bon avocat, là, ça se faufile. Donc, peut-être qu'il débute une révolution fintech au Maroc. Il semblerait, d'après la loi, permettrait les salaires fintech dans ces secteurs-là. Transfert d'argent, ouverture de compte de paiement, dépôt cash-in, retrait cash-out. Des paiements de paiement, offre de moyens de paiement, e-wallet, application de carte, service de prélèvement, virement de compte. Ça a l'air que ce serait ouvert pour les fintechs marocains, qui sont des jeunes. Il n'y a pas de 20 ans, tu prends un peu de compétition avec les autres.
C'est sûr, il faut être habile avec les plateformes numériques. Mais ça, il s'agit de trouver des clones des plateformes qui existent déjà. Vous regardez une plateforme qui fonctionne bien en Chine, puis vous adaptez le modèle. Maintenant, il y a toutes sortes de règles là-dessus, je ne vais pas aller trop loin, mais au niveau des startups fintech, vous allez avoir trois types de startups fintech dans le paiement. La petite ou le micro-paiement dans les villages éloignés qui n'ont pas de banque, ça peut être 200 dirhams. En fond, c'est juste des petits argent de monnaie. Il y aura le niveau 2 qui est de 5000 dirhams. Et puis, c'est peut-être le niveau 3 qui est intéressant. C'est 20 000 dirhams. Là, dans le fond, là, on peut devenir investi. C'est intéressant quand tu n'as que 1 million de clients. T'sais. C'est sûr qu'au début, c'est 100 clients. Quand tu as 1 million de clients, tu es au monde. Chaque client, même si tu donnes un petit montant, tu deviens une opération sérieuse. Maintenant, pour le moment, d'après moi, au Maroc, il faut miser sur deux niches pour le moment. Okay? Oublions pour le moment, InsurTech, épargne, prêt, financement, ça va être ce secteur ici. Dans le paiement, okay, avec du blockchain, ça va, mobile e-wallet, et l'équipement de soutien, des applications de soutien pour les traditionnels, cybersécurité, RegTech, etc., solutions, applications, il y a place pour grande amélioration ici. Okay? Donc, cette industrie-là. Mais par contre, il va y avoir éventuellement ouverture ici. Puis, il y a des zones grises. Par exemple, on peut faire des ententes avec les banques, puis aller sur ce terrain-là. Okay? Donc, le paiement, oui. Et la sécurité, c'est pour phase 1, pour se pratiquer. Maintenant, le succès, ça va être dans le fond, là, partenariat avec les majeurs. Okay? Et pourquoi? Ben, j'ai regardé, je pense que le Maroc est la plateforme au monde, okay? Bancaire au monde, avec la plus de ramifications. Quand vous dites que les traditionnels, assurances et banques marocaines, sont dans 32 pays, j'ai la première fois que je vois ça quasiment, tu sais, vous contrôlez un peu le marché financier, va se passer ici, en Afrique. Certains pays à problème, mais en général, c'est inévitable. Donc, toutes ces banques-là, sur la vieille économie, ont besoin des jeunes pousses, des fintechs. Il y a des pays là-dedans que c'est ouvert. Il n'y a pas de régulation. On fait ce qu'on veut au niveau de la réalité. Dans le fond, à ce moment-là, vous installez dans un pays qui est dynamique, et puis avec l'appui d'une banque dans lequel. Rappelez-vous, dans votre tête, si c'est possible au Canada, les mariages entre les petits et les gros, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible entre les petites fintechs marocaines et les traditionnelles. Pourquoi pas des alliances fintech chez le continent africain? Mot de la fin. If you can't beat them, join them. On s'en prend des bains, on s'allie ensemble. Okay? C'est ça qui est le message. Donc, je vais laisser la place à Vienne.